Bueno, es que estamos acostumbrados a 10 años de tranquilidad. Lo que hay es que en estos 2 años se dio la Argona y ahí está la cosa, lo que afloró. Entonces han venido los rumores. Que... Miren, amigos, el país está perfectamente controlado. Depuis le coup d'État de 1973, on affirme que le pays est parfaitement contrôlé. Santiago du Chili est une ville propre, ordonnée et surveillée. Au bruit habituel des hélicoptères, des coups de feu et des sirènes de police, s'ajoutent aujourd'hui les marches militaires. Le régime célèbre en grande pompe une illusion de tranquillité. Tranquillité fondée sur la violence, la répression et la peur. Le Chili est occupé par des soldats en guerre contre la population civile. Il connaît, depuis plusieurs années, une crise généralisée et un climat de violence quotidienne. Le gouvernement, de plus en plus isolé, est confronté avec un vaste mouvement démocratique. Hommes et femmes anonymes décidés à retrouver leur dignité et la liberté. Mais le régime militaire, obsédé par l'idée de se perpétuer au pouvoir, continue à prendre pour cible le peuple, son ennemi dans cette longue guerre quotidienne. Mucha gente me pregunta siempre por cómo ha podido sobrellevar esto. Dice. J'ai pu supporter tout ça grâce à tous les souvenirs que j'ai des miens, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont été. Quand on a dans la famille un détenu disparu, on ne sait jamais comment conjuguer le verbe. Yo, por ejemplo, estoy viendo en este momento la fotografía cuando se casó mi hijo Luis Emilio y Nalvia, que hoy están desaparecidos. Regardant la photo du mariage de mon fils Luis Emilio avec Nalvia, aujourd'hui disparus tous les deux, ça me rappelle mon compagnon, Manuel. Lui et moi, nous étions complices dans tout, les bonnes et les mauvaises choses. Nous étions complices dans la lutte pour la justice. Un avenir meilleur pour notre peuple. Manuel souffrait de voir les enfants pieds nus. Nous n'en finissions jamais de payer des notes de chaussures. Lui, à 14 ans, il avait eu ses premiers souliers neufs.
Tout cela nous a marqués. Et nous nous sommes engagés complètement dans les élections présidentielles. Quand a été élu Salvador Allende. Salvador Allende, este inolvidable. Cet homme admirable et inoubliable. Inolvidable hombre de altura internacional. Y luchamos denodadamente. Nous avons lutté courageusement. Nos enfants aussi. Y nuestros hijos. Ellos salían a los desfiles, pegaban propaganda. Voilà Luis Emilio, l'aîné des garçons. Il doit avoir 11 ans. Là, c'est ma fille, Ana Maria. Elle est institutrice. Ici, c'est Ricardo, le troisième. Il est au Canada. Mac et Léo. René. Manuel. Bueno, estos son mis nietos. Gracias, hijo. Son mis nietos. Ce sont mes petits-enfants. Que forman parte de nuestra familia. Avant de connaître Manuel, je croyais avoir été amoureuse. Yo creí estar enamorada de otro hombre cuando... Au cours des ans, j'ai compris que je n'avais jamais aimé que lui. Et après 40 ans de mariage, j'avais encore le cœur qui battait quand j'entendais ses pas. Cette famille a été élevée avec beaucoup d'amour et de peine. J'ai 13 petits-enfants. Puis ça a été le coup d'État et les arrestations de nombreuses familles. En 76, ça a été mon tour. Ils ont arrêté mes deux fils, ma belle-fille, mon compagnon, et même mon petit-fils de 2 ans et demi. Alors, j'ai mieux compris la souffrance des gens. Je l'ai touché de plus près. Ma vie a changé totalement. La maison était toujours pleine de joie. On jouait de la guitare. On célébrait les anniversaires. On partageait tout. Nous nous sommes retrouvés seuls. Nous avons lutté désespérément pour sauver les nôtres et savoir ce qui était arrivé à chacun d'entre eux. Au long de toutes ces années, nous avons peu à peu découvert des fragments de vérité. De l'association des familles de détenus disparus pour trouver la vérité et exiger la justice, nous avons eu un entretien avec le général Gustavo Lee, aujourd'hui dans l'opposition. Jusqu'en 1978, il était commandant en chef de l'armée de l'air et membre de la junte.
C'est pourquoi nous avions tant de questions à lui poser. Que nous a-t-il répondu? Eh bien, il souffre d'amnésie totale. Il n'assume aucune responsabilité de ce que ces hommes ont fait sous ses ordres. Cela ne nous surprend pas. Yo creo que en Chile todos esos problemas que están apareciendo en otros países con respecto a juzgar la actuación de las Fuerzas Armadas durante su gobierno tienen que ser vistos a través de la justicia ordinaria, de los tribunales de justicia. No puede hacerse de otra manera. Y ojalá que en la primera fase, cuando se vuelva al periodo de transición para llegar a un periodo democrático, este problema no se toque en un comienzo, que se deje para unos años más en que se enfríen los ánimos y los tribunales de justicia puedan operar libremente y sin presiones. En lo personal, ¿usted se siente en alguna medida tocado por esa situación hipotética? No, en absoluto. Yo tengo mi conciencia muy tranquila y si he cometido errores, que se juzguen mis errores. Yo en ese sentido estaría dispuesto a enfrentar cualquier situación que se presentara a corto, mediano o largo plazo. Con la actuación del Orfeón Nacional de Carabineros de Chile, que dirige el suboficial mayor, señor Belisario Tudela Pino. En esta retreta, que en su primera parte fue dedicada a la madre patria España, con motivo de haberse cumplido ayer. Je suis ancien major de carabiniers. J'étais chargé des patrouilles motorisées de Santiago. J'ai été arrêté le jour même du coup d'État, le 11 septembre 1973. De l'école de carabiniers, on m'a transféré à l'Académie de l'armée de l'air où j'ai subi la torture. Des sévices divers, comme tant d'autres civils et militaires. J'ai comme souvenir de cette expérience une cicatrice dans le dos que je ne pourrai jamais oublier parce qu'elle est là. À partir du coup d'État, on transforme les militaires en ennemis du peuple.
On fabrique cette fiction d'une guerre interne. Après une planification soigneuse, la guerre psychologique est mise en marche. Guerre qui commence par l'état de siège, le couvre-feu, les sévices, les détentions prolongées pour torturer. On ne remet les détenus aux tribunaux que 20 jours plus tard. Que todos sabemos que es para ser torturados, porque son puestos a disposición de los tribunales 20 días después. ¿Para qué? Para conseguir... Tout cela pour soumettre la population par la crainte. La crainte de la faim, des perquisitions, des arrestations. Et quand la peur s'est installée, on passe à une autre étape, idéale, la panique. De Chile. Tres heridos a bala, uno de ellos entre la vida y la muerte, en incidentes registrados esta tarde en distintos puntos de Santiago. Hasta las 17 horas, 50 personas habían sido arrestadas en manifestaciones. Mi opinión es que, como he dicho desde el principio, el comunismo en este momento, no tan solo aquí, sino que en todo el mundo, está usando la violencia como arma de amedrentamiento de las poblaciones de cualquier orden. Esto está sucediendo igual en este momento en Inglaterra, está sucediendo en Francia, está sucediendo en Sudáfrica, está sucediendo en todas partes. Por eso que emplean todos los medios. No hay moral. Nosotros no hay moral. ¡No hay moral! Emplean la religión, emplean los medios de comunicaciones, la educación. Todo es moral para ellos. Todo es medio de lucha, porque esta lucha es de carácter mundial. Estamos en una guerra entre los totalitarios y una guerra por la libertad. Y ellos han sido muy hábiles. Ellos hablan los comunistas contra la dictadura fascista, los comunistas contra los totalitarios. No, señores, la guerra es distinta. Es una guerra totalitaria ellos, libertad nosotros. Nosotros estamos luchando por la libertad. Yo creo que difícilmente en el mundo se da el caso de un dictador militar que sea tan limitado para pensar los problemas en términos políticos. Pinochet piensa absolutamente la política en términos de guerra. Es un militarista 1000% en frente de la política. Él no está pensando ni en la paz en este país, en cómo lograr un orden político estable, ni nada de eso. Él está en una definición precisa de una guerra determinada. Y es una concepción de la guerra anticomunista que, digamos, está frente a la concepción de la guerra anticomunista que Pinochet tiene. Verdaderamente el macartismo parece un juego de niños. Pinochet piensa de que el país es objeto de una agresión internacional y de fuerzas oscuras dentro de Chile, tendiente a construir en Chile un Estado comunista. Y naturalmente él ve comunistas en todas partes. Thank you.
Lo escuché torturar en un cuartel policial. J'ai entendu torturer dans un poste de police. Je n'ai pas vu, mais j'ai entendu. Devant ça, je ne peux pas me taire. Je dois crier et lutter. Pauvre de moi si je ne fais rien. Au début, nous pensions que les actions que nous entreprenions devant la caserne de la CNI, ou en torture, allaient apporter quelques soulagements aux prisonniers. Nous croyions qu'en criant fort et en chantant, ils allaient nous entendre. Cela nous encourageait de pouvoir les soulager un peu. Après, nous avons compris qu'ils ne nous entendaient pas car les salles de torture sont blindées. Les gens dans la rue nous écoutaient. Alors nous avons compris que l'objectif de notre action était d'influencer l'opinion publique. La torture n'a pas diminué. Elle est maintenant systématisée et plus sophistiquée. En tant que prêtre, je sens que mon action contre la torture est une forme de prière. C'est chaque fois une rencontre avec le Christ torturé aujourd'hui. Avant une action, je prie toujours. J'ai très peur. Et la peur ne me lâche pas. Mais ensuite, c'est une rencontre avec le Seigneur. Un centenar de detenidos se registró en diferentes puntos de Santiago y en la cooperativa del caso de algunas personas que en sectores poblacionales han resultado heridas a bala o balines. En este último caso se encuentran pobladores de La Victoria en la comuna de San Miguel. Durante 8 años fui sacerdote en Francia. Pendant 8 ans, j'ai été prêtre en France, dans un quartier ouvrier, où j'ai découvert l'action catholique ouvrière et la formation des militants chrétiens comme étant ma vocation et ma mission. J'ai compris qu'il y avait une nécessité d'une évangélisation à ce niveau. La première semaine à La Victoria, j'ai ressenti une sensation d'étouffement à cause du monde, mais en même temps, une rapidité dans les contacts humains. Au cours des 3 premières semaines, j'ai salué plus de personnes qu'en 6 mois dans ma paroisse précédente. Ici, 80% des gens n'ont pas de travail. Et nous, femmes de chômeurs, depuis 1981, nous organisons cette soupe, surtout pour les enfants. Ils ne connaissent même pas le lait. Ils n'ont rien à manger. La drogue, l'alcoolisme, la prostitution qui existe ici, c'est à cause du régime. D'abord, il y a la violence principale, celle qui déclenche tout, la faim. Et aussi,
la violence du chômage. Por ejemplo, para tomar caso bien concreto, ayer nomás, una persona de la población me decía... Concrètement, on me disait hier que les enfants de moins de 6 ans ne boivent pratiquement pas de lait. Ninguno. Ça, c'est une violence inouïe. Vamos a ver cómo si podemos hacer algo. Pero bueno, eso es una violencia muy fuerte e incluso hay que recordar. J'ai souvent cité cette phrase du chapitre 34 de l'Ecclésiaste. De l'Ecclésiastico cuando privé de son pain celui qui est dans le besoin, c'est l'assassiner. Es asesinarlo. Y eso nos olvidamos de esto. Nous sommes horrifiés quand le sang coule. Mais quand le sang ne coule pas, parce qu'il n'y a pas de lait ni de pain pour le faire couler dans les veines, c'est aussi un assassinat. Mais celui-là ne se voit pas. La pelota sale para Vera. Gran dinámica del conductor de Colo Colo. Sigue avanzando. Toca luego la pelota al medio para Gutiérrez. Gutiérrez llega al punto para Romeño. Faltan 6 minutos para las 13 horas en Yungay. Saludos a María Fariña y a su pololo Ricardo González, ya que hoy 24 de octubre cumplen 2 meses de un hermoso pololeo. Firma María Ortiz. Les jours de protestation, les carabiniers ne doivent pas entrer dans le quartier. S'ils le font, il faut les lapider. Ce n'est pas mon opinion, mais la leur. La grande majorité n'a que la protestation pour s'exprimer. Mais les manifestants et les carabiniers commencent à se fâcher, surtout s'il y a un blessé. Ils s'indignent de l'agressivité de la police. On ne peut tout de même pas se laisser tuer, alors il faut se défendre. Et ils se précipitent dans un enchaînement de violence. Si on répond avec des pierres, les forces de l'ordre ont un prétexte pour déclencher une fusillade. Fin 1983 et en 1984, la population a recherché des formes de protestation plus pacifiques. Mais en face d'eux, ils ont des militaires déterminés à les provoquer à tout prix. C'est ahí. Effectivement, il y a des jours que je ne peux rien faire, sinon... Et là, il y a des jours où je ne peux rien faire. Alors je vais à la chapelle et je prie. Je demande au Seigneur d'éviter qu'il y ait encore des morts et des blessés. Qu'il y ait mort, qu'il y ait herido grave, pour le moins. Le nombre de gens qui a été matés en su casa pour balles así. Beaucoup de personnes ont été tuées d'une balle dans leur maison.
ser extranjero, ser sacerdote. Que cela soit arrivé à André, étranger et prêtre, qu'une balle ne l'ait pas atteint dans la rue, mais ici, pendant qu'il lisait la Bible. C'est évident que cela a créé une commotion, a créé une... Ha sido una palabra de Dios. Que cela soit arrivé à André est un signe de Dieu qui permet de souligner l'immoralité des forces de police qui répriment les pauvres. Llámenle como se llame, que entren a reprimir a los pobres con balas. Pero el hecho de André, yo diría, es como... C'est leur cri. Et le cri de Dieu qui dit, arrêtez, vous ne pouvez pas continuer dans cette voie. Atención, presenten. Características de este ejército son la obediencia irrestricta al alto mando, la no deliberación sobre materias políticas. Es un ejército extraordinariamente jerarquizado, el último ejército prusiano del mundo. Por otro lado, la mantención de un ejército que crece enormemente en número. Pensemos de que el cuerpo de generales en este país eran 25 el año 1973 y hoy son 54 generales. Pensemos que los niveles de remuneraciones han mejorado sustancialmente, de que la infraestructura habitacional del personal del ejército ha crecido enormemente y en consecuencia tenemos un ejército que cada día va tomando una parte mayor del presupuesto nacional. El Estado de Chile en solo 6 años gastó sobre 10.000 millones de dólares en su presupuesto militar. Esto es una cifra enorme para un país como Chile. Pensemos que la deuda externa del país, que es per cápita la más alta del mundo, nos lleva a una deuda de algo más de 20.000 millones de dólares. Nosotros habríamos gastado en defensa 10.000 millones de dólares en 6 años. Volver, cantando regresarás, cantando vas a volver otra vez a tu ciudad, cantando vas a volver, cantando el tiempo feliz, cantando vas a volver otra vez a tu país. Mira, nosotros nos dedicamos a trabajar. No nos inspiramos de la poesía española y latinoamericana. En todo caso, en medios y en círculos que no son, por supuesto, los bien sûr, nous jouons dans des lieux non officiels, des espaces conquis par le peuple au long de ces 12 années, dans les quartiers populaires, dans les milieux étudiants, chez les paysans. C'est là que se développe toute une partie de la culture chilienne. Desenvuelve todo un sector de la cultura chilena. 5 o 6 años atrás, se pedía la lista de las personas que se iban a subir al escenario. Il y a 5 ou 6 ans, on demandait la liste des personnes qui allaient se produire sur la scène et les textes qu'elles devaient chanter. Il y avait toujours la possibilité d'une interdiction.
Nous avons réussi à exister et actuellement nous jouons, même dans la rue, à l'occasion de manifestations. Que el pueblo ya dijo basta, sí, ay que sí. Es hora de decisiones, Rosa y Romero y el alelito solito. Uno mi voz a sus voces, sí, ay que sí. Para gritar libertad, viva la patria y la libertad. Seis meses y 11 días sometido a este maldito régimen de 2 cigarrillos diarios. ¿Eh? Hay que preocuparse por la salud. Mm. Por la salud y la libertad. Ah, bueno, es más completo. Y además fue consigna de Artigas. En esta obra que hemos terminado de dar en estos días, después nous finissons ces jours-ci de jouer cette pièce après 15 mois de représentation. Certains passages nous font méditer et nous restent présents à l'esprit. Ce qui s'appliquait à l'Uruguay vaut pour le Chili d'aujourd'hui. Nous quedan sonando muchos trozos de texto. Ah, ya, ya. Rafael, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando estos verdugos suplician a un hombre, lo maten o no, martirizan también, aunque no los encierren, aunque los dejen desamparados y atónitos en su casa violada, a su mujer, a sus padres, a sus hijos, a su vida entera de relación. Cuando revientan a un militante, como fue el caso de mi hijo, y arrojan a su familia al exilio involuntario, desgarran el tiempo, trastruecan la historia, no solo para ese mínimo clan, sino que corrompen los cimientos de toda la sociedad. Graciela, Graciela. C'est stimulant de voir tous ces jeunes assister à notre spectacle. La pièce expose des problèmes actuels qui les touchent de près. C'est beau et encourageant, vers la fin de la vie, de voir que la jeunesse est enthousiaste, qu'elle est noble et courageuse dans sa lutte et dans ses aspirations. Aujourd'hui, au Chili, il faut de l'enthousiasme et aussi du courage. Tenemos duras experiencias. Muchos jóvenes, estudiantes. De nombreux jeunes sont morts ou disparus. Desaparecidos. Un hijo mío fue... J'ai un fils qui a été assassiné il y a 6 mois, vilement assassiné. Il luttait pour les droits de l'homme et l'a payé de sa vie. C'est une des rares photos où nous sommes tous ensemble. Au début, José Manuel et moi, nous croyions que le monde nous appartenait. Nous attendions notre première fille. Nous sentions que nous faisions quelque chose pour notre patrie. Et soudain, tout se brise. D'abord, c'est l'arrestation et la disparition de mon père. Il ne pouvait rien m'arriver de pire. Puis,
C'est ce vendredi 29 où José Manuel et moi nous accompagnons Javiera à l'école. Je descends une rue avant et plus jamais je ne revois José Manuel. Javiera, qui était en classe, avait entendu le coup de feu et l'hélicoptère. Elle s'accroche à moi en pleurant et me demande ce qui est arrivé à son papa. Je lui dis qu'il a été arrêté. Elle craint qu'il disparaisse comme son grand-père. Je lui promets que nous allons le sauver. Devant la maison, il y avait déjà un véhicule qui nous surveillait. Le lendemain, je répète aux enfants que nous allons sauver leur papa, qu'ils ne s'inquiètent pas. Le jour après, le vicariat de la solidarité m'a averti que trois corps avaient été trouvés. J'ai su immédiatement que José Manuel était parmi eux. L'Institut médico-légal a confirmé son assassinat, ainsi que celui de Manuel et Santiago Natino. Plus tard, j'ai su qu'ils avaient été égorgés. Solo al otro día supe que había sido degollado. El señor del pueblo aborrece las manos que asesinan a gente inocente. Pero las manos de José Manuel, de Santiago y Manuel, siempre brotó inocencia. Fueron manos francas y abiertas. Cela a été un choc et une souffrance immense. Le sens de notre vie a changé profondément. Beaucoup de choses que nous faisions ensemble se sont terminées, mais d'autres sont venues. Le désir que tout ça change surgit avec encore plus de force. Le désir de gagner ce défi à la vie. Même quand les choses ne sont pas toujours claires, je sais que nous gagnerons. Ceux qui ne s'engagent pas pour défendre la vie et mettre fin à cette culture de la mort, à ces 12 années d'horreur, sont complices des tortures, des assassinats politiques, de l'exil, bref, de tout ce qui se passe tous les jours au Chili. Qu'est-ce que nous allons faire, nous les vieux? Eh bien, nous les vieux chevaux, il ne nous reste qu'une chose à faire. Aider les jeunes à se souvenir de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils n'ont pas vu.
Señor General Stang, en nombre de la Junta de Gobierno, os damos la bienvenida a esta organización que tiene por responsabilidad permanente cubrir, estudiar y darle a Chile la nueva legislación que requiere para hacer de él un país moderno, sano y una democracia perfecta. La democracia perfecta que los chilenos quieren y que los chilenos desean. Muchas veces he creído, mis amigos, de que, así como ellos llaman pasar del sistema burgués al comunismo por la dictadura del proletariado, nosotros también tenemos que pasar. Y no se puede escapar eso por la dictadura de la democracia, aunque no le guste a alguno. Ellos los poetas. Sus calles históricas, clases vivas, tierras desnudas. Ellos los poetas del mundo. Ellos el futuro. Ellos sus poesías musicales. Empezaron a llegar jóvenes a la Casa de la Cultura. Traían sus poesías. Des jeunes venaient à la Maison de la Culture. Ils nous apportaient leur poésie et ils se rendaient compte que ce qu'ils faisaient avait de la valeur. Muchas veces nosotros aquí a veces no nos encontrábamos. Souvent, nous n'étions pas là. Alors ils nous les laissaient sous la porte et à notre retour, nous les trouvions. Il y avait de belles choses. Linda. N'importe qui peut être poète. Cualquiera puede ser poeta. Los poetas no somos nosotros. Les poètes ne sont pas ceux qui écrivent, mais ceux qui croient qu'ils ne vont jamais écrire. Et soudain, en ont envie. Le surge la idea. Le 11 septembre dernier, nous avons affiché nos poèmes sur la place. En patrouillant, les militaires s'approchaient, les voyaient, les arrachaient. Alors nous en mettions d'autres. Ils revenaient et les enlevaient à nouveau. Et toute la journée comme cela. Nous relatons cette journée dans un livre. Ainsi, Pablo raconte qu'il y avait un carabinier qui courait. Tout à coup, il ralentit et se met à lire un poème. Il ne l'a pas déchiré. Ensuite, il en a lu d'autres et ne savait pas lesquels arracher. Ce qui fait dire à Pablo, c'est la première fois que j'ai vu un carabinier respectueux. Quelques jours après la guerre des poèmes, a eu lieu la guerre véritable. Les flancs, la trouille, sont arrivés, une armée entière. Moi aussi, j'ai peur. Il y a quelques jours, j'ai été arrêtée. Je sais maintenant ce que cela signifie. Mais j'ai encore plus peur quand je pense à l'avenir qui nous attend. Si nous restons chez nous sans même lever le petit doigt. Des types de la police secrète nous ont réveillés. Des compagnons nous avaient parlé de leur arrestation et de leur relégation, mais ce n'est pas la même chose lorsqu'on le vit soi-même. Immédiatement, on se demande qui sont ces individus grossiers et armés qui nous tirent du lit.
C'était au moment de la découverte des égorgés. Au début, j'avais faim, froid et peur. Peur aussi pour ma famille, dont je ne savais rien. Mais j'ai pu dépasser tout ça grâce à la solidarité des gens. J'ai été expédiée à 1000 km de chez moi, consignée dans un petit village. Cette relégation m'a permis de mieux connaître et d'aimer davantage les gens de la Victoria. Je me suis dit que j'avais de la chance de vivre avec de si bons compagnons. Malgré leur pauvreté, la délinquance, la drogue et la prostitution, ils ont une solidarité innée, bien à eux. Je me disais avant qu'un jour ou l'autre je serais reléguée, que j'aurais peur. Je ne savais pas comment je réagirais. Ces trois mois loin de chez moi ont servi pour m'affirmer davantage. Je me dis, bon, tu as fait un pas, voyons quel sera le suivant. Tu sais maintenant ce qui t'attend. N'importe quoi peut m'arriver. Je suis prête à l'affronter. Ce que je veux, c'est voir tomber la dictature. Et la rue était pleine de monde qui chantait. Les enfants dessinaient. C'était comme vivre dans le futur. Les gens s'en rendent compte. C'est une vision d'un mode de vie qui montre que nous sommes des êtres humains, que nous pouvons vivre comme nous le voulons. Mais il nous faut conquérir ce droit. Comme nous voulons vivre, mais gagnant-la. Le futur, disons, ce que nous faisons maintenant, nous allons continuer à faire. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous allons le continuer. Et quand ce régime changera, quand nous pourrons vraiment nous sentir libres, cet endroit existera toujours. Notre rêve est que nos enfants puissent se réunir et discuter, non seulement ici, mais aussi dans la rue, sur la place, à côté du commissariat, à la paroisse, partout. Quiero es porque soy mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Te quiero, mi paraíso, es decir, que en mi país gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos muy